Vous savez tous ce que c'est des câbles électriques. S'ils sont en l'air, c'est pas pour rien. C'est pour pas qu'on les touche. Du moment où tu en attrapes un, tu peux terminer comme un poulet cuit au four. Regarde bien cette vidéo des HM. Y'a Chihuahua sur les câbles électriques en vie en train de faire Spider-Man. Comment il s'est retrouvé là-bas? Est-ce que tu t'y attendais? Alors, est-ce que tu sais, Unchained, à quel moment on est électrocuté quand on touche les câbles? Il faut toucher le sol aussi. Ah, il m'a eu, bien joué. Aujourd'hui, les amis, on va voir les vidéos les plus inattendues d'Internet. Est-ce que t'es prêt, DHM? Je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts, la communauté? J'espère que vous allez bien. Oh, punaise. Oh! Oh mon dieu! C'est pour ça qu'il faut pas se déguiser en prophète et tout, les gars. Moi, j'y suis carrément, ça. Je sais pas ce que c'est, frérot, mais... Oh! Non, mais là, elle voulait un truc. Je suis désolé. C'est sûr, elle a fait exprès. Attends, on va en vérifier. Oh non, je tombe! Oh non! Attends, je vais en profiter. Le truc épique, mec! Bon, là, il va l'attraper, il va gagner, il va le manger. Hop là. Non, je pense pas. Il va tomber. Oh. Comment ça, il était en train d'attaquer en mode prédateur pour lui faire un bisou? Attends. Le monteur était pas au courant que je faisais la react. Pourquoi il a écrit si DHM voit ça? Oh mon dieu, attends, quoi? Aïe. Ça, c'est mon humour, les gars. Les proutes, les... Voilà, tout ça, là. Il y a aucun rapport avec les proutes DHM sur cette vidéo, hein. DHM dans la sauce. Ah, elle est dans un zoo, je reconnais un petit peu la vitre. What? What? What the fuck? What the fuck? La tête du fuck? Qu'est-ce que t'as? Tu veux ma photo? Ah, peut-être qu'il a un torticolis de base. Non, je pense pas. Pas de téléphone mobile ou sinon vous êtes pendu par... Attends, quoi? Wow! What? What? Attends, mais c'est où ça? Attends, alors c'est une télé qui est dans un endroit public, peut-être c'est un transport. Et du coup, il y a une télé qui te dit qu'est-ce que tu dois pas faire dans ce transport. Mais ça pend des gens, ça tape dans un bébé, et après ça dit si tu te masturbes, il va aussi t'arriver quelque chose, mais on n'a pas la suite. Mais what? Tu sais qu'en ce moment, en Ile-de-France, il y a un chieur en série. Genre, il retrouve du caca partout dans les RER. Un chieur en série? C'est un mec qui va dans les RER et il fait caca. La table elle s'est pétée. Regarde, c'est une table en verre. Ils sont beaucoup dessus, tu vois. Et là, le gars il va juste mettre une petite coup de pression ici. Regarde. Oh la dinguerie, frère. Tu sais qu'il m'est arrivé la même chose. Ma première table de gamer, j'ai mis mes écrans et tout. C'est une table en verre, mec. Oh. Ah oui, je connais ce challenge. En gros, tant que l'autre il a pas réussi, t'as le droit de manger. Ah, il a réussi. Oh. Mon burger. Faudrait qu'on le fasse ce TikTok là. Ah ouais, il faudrait le faire celui-là, j'avoue. Mais j'ai peur de contre Dany, ça me saoule. Aïe. Oh non. Le sabot il est tombé, gros. Je connais très bien cette coupe, Unchained. Regarde, j'ai presque la même. Ça va, ça repousse vite. Ça repousse vite, en une semaine c'est plié. Il va devoir mettre une casquette. En vrai, c'est ça va. Comme moi actuellement parce que j'ai pas de cheveux. Le sac il se vénère, tu sais. Comment ça tu tapes tous les jours, j'en ai marre. Mais il a déjà une boule. Il a déjà une boule, frérot. Elle va pas tomber. C'est... Oh. Oh là 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 là. No luck. Déjà que réussir à prendre une boule avec la pince, c'est tellement dur. Mais là qu'elle rebondisse, elle a tapé le rebord, en fait. Ça, tu rentres chez toi, t'es dégoûté sur toi à cet âge-là. Ça a foutu sa journée en l'air. A motherfucking helicopter! What the fuck? Wesh, hein? C'est un 4x4 qui transporte un hélicoptère de combat. Mais ça, c'est un hélico de la guerre froide, ça. Non, guerre du Vietnam. Mais avoir un hélicoptère comme ça, sur la route, une dinguerie. Y'a que aux States que tu peux avoir ça, frère. Oh, y'a une bête dans les toilettes. C'est sûr. Waouh. What? Oh, je l'ai eu aussi, frérot. C'était quoi? Une chauve-souris? Une grenouille? Un écureuil! Si, regarde, ça fait qu'il est écureuil. Ça fait qu'il est écureuil. Instant dédicace, aujourd'hui dédicace à cet abonné là. Il est marqué oui sur mon code Unchained. T'es un fucking beau gosse, t'es la dernière personne qui s'est abonnée à ma chaîne. Si toi aussi tu veux dédicace dans la prochaine vidéo comme cette personne, t'as juste à t'abonner, juste en bas, en activant la cloche. Are you ready for your milkies? Dommage. Yeah, you really want some milkies, don't you? Non. Yeah. Too bad. Trop relou. Moi, j'aime bien le lait.
Je force en aucun cas Dacham à dire des choses comme ça dans ma vidéo. Ah mais on rigole. Il rencontre son pilote préféré là. Un petit peu comme moi quand il rencontre Squeezie dans la vraie vie, tu vois. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, le mec c'est fils de... Je suis en train de trembler et tout. T'es, il m'a donné envie de chier, frère. Pardon. Chef. Allô? Ah, je l'ai vu celle-là. Oh. J'avais oublié la fin, je me rappelais que tu t'es fui. Bon, elle va bien, c'est que la moto qui a quelque chose. Hein. Elle va très bien, elle a rien eu. Mais le caméraman a le seum là. Sa moto, frérot, elle a fait Spider-Man sur le mur. Non, mais c'est quoi cette idée de merde, mec? Non, en fait, ça se voit qu'elle fait pas de scoot. Elle décide juste de remettre le scooter normal en mode désolé. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne en fait avec la main, c'est ça? Ouais, en fait, quand tu tournes vers le bas, avec ta main droite, ça accélère. Ah ouais. Elle a été amenée vers l'avant, du coup, ça lui a encore plus fait tourner le poignet, genre. Ah, c'était encore, à coupe, ça, DHM. Bizarre. Attends, quoi? C'est une dinguerie de faire ça, c'est un frère. Non, mais de sûr que c'est des potes. Mais c'est chelou. C'est chelou de ouf. Très bizarre. Ah, je le connais, lui. Non. C'est un TikToker. C'est pas le gars dans Squid Game? Non, il fait des têtes bizarres sur TikTok. Non. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Est-ce que t'as la ref du personnage? Dans One Piece? Ouais, c'est dans One Piece. Yes! J'ai dit au hasard. Et c'est un personnage que tu connais. C'est Doflamingo. Il va se passer quoi? Hein? Regarde derrière. What? Non. Ça, c'est de l'entertainment, ça. Ça, c'est aux US, ça. Tu sors un chasseur dans un concert comme ça. Mais attends, mais tu te rends compte de la dinguerie que c'est, frérot. Oh, c'est quoi, ça, à ton avis? Oh... C'est un papillon, non? Non, c'est une chenille qui va s'ensemer en papillon. Et du coup, là, il est en train de voir comment elle peut aller. Parce que regarde, il y a un élastique autour. C'est dégueulasse. Ah, il y a un parasite. Non, c'est un élastique, en fait. Oh. Non, mais comme ça, lui, il mange pas de plastique. C'est pour ça, en fait, t'as compris? Ah, c'est kiffant de faire ça. Tu dégages! Comment ça, ils conduisent cet âge-là? C'est une dinguerie, frérot. Le petit en rouge, on dirait pas un mec dans South Park. Ouais, de ouf. Mais c'est South Park, les maisons et tout, frérot. Oh, Cartman, je suis tombé. Toby est libre. Dobby est libre? Comment ça, Dobby est libre? Ah non, regarde. Non, regarde. Attends, quoi? Il lui a volé les chaussettes. Tu sais que Dobby, mec, dans Harry Potter, on le paye avec des chaussettes. On lui donne des vêtements. Rien à foutre. Ok. C'est une dinguerie. Au plus il a de vêtements, au plus ça veut dire qu'il est riche. Ah, c'est stylé de ouf, ça. Ah, c'est stylé de ouf, mec. De ouf. Ah, c'est trop stylé comment il a fait, frère. What? What? Il sauve la vie du mec, il embrasse la mec, et après t'as le skin derrière qui est en mode me Steve. Things to do in France. Oh, alors mec, à la France tu peux aller au ski, tu peux faire plein d'activités. Non. Bah, après on peut dire que t'as acheté ce livre. Ça se fait pas. Donc là il a gagné, ok. Il est content. C'est de la lutte, donc du coup il va voilà, il serre les mains et tout, il a fait la finale. Il va avoir son pote. Oh. Son coach? Nope. Ah. Ouh, MDR, c'est comme ça qu'ils sont la main avec leur coach et tout. Ça, c'est mon délire. La lutte, on dirait pas comme ça, mais c'est un sport de malade, là. C'était le sport des Grecs et des Romains, genre, pour dire. Je trouve ça dangereux un peu pour le coup, quand même, tu vois, parce que tu tombes sur ton cou plusieurs fois, il faut vraiment avoir un coup solide. Mec, ils ont la nuque tellement entraînée. Par contre, mais nous, ouais. On nous fait ça, on est en DHM, je pense que là, plus rien va pouvoir me choquer. Mais j'avoue, le meilleur, c'était le chihuahua au début, mec, le chihuahua sur les fils électriques. Parce que lui-même était choqué. Comment il est monté là-haut? Pour moi, il a vu des pigeons, il a dit, vas-y, frérot, je vais les attraper, ça va être mon goûter, tu vois. Après, il a fait, oh, je suis foutu. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo, ça fait trop plaisir. J'espère que vous avez kiffé passer du bon temps avec nous. On n'oublie pas quoi? Le petit pouce bleu, c'est pas déjà fait. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, tu pourras toujours changer d'avis. Mais surtout, active la cloche, ça me ferait grave plaisir. Des gros bisous, DHM, on se capte à très vite. Bisous. Tu peux juste cliquer ici si tu veux voir une autre vidéo masterclass sur la chaîne. Celle-là, je te la conseille. Passe une bonne journée, n'attrape pas trop froid parce que ça serait con de tomber malade pour Noël. Ciao bye, see you.